Shalom, shalom alaikum mes amis, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler encore Sima Mobile. Hier, le 4 mars 2019, hier soir, j'avais quelques grosses coupures d'internet sur le réseau Sima Mobile. Ok, aujourd'hui, on va tenter de joindre le service clientèle. Et après la vidéo, on va tester la vitesse de Sima Mobile. Regardez bien et jugez bien. Je dois vous préciser encore une fois qu'un jour, si j'arrive à joindre leur service, je leur poserai une question sur le paramétrage d'un téléphone, d'un ancien smartphone, qui tourne à 3G uniquement, un autre mobile d'une autre marque, peu connue, et sur le Samsung. Comment ils peuvent m'aider de paramétrer l'APN. Parce que sur leur site, quand vous marquez votre numéro de téléphone, vous demandez d'envoyer un SMS de paramétrage, vous ne l'aurez pas. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos comment paramétrer les téléphones de 3G, etc. Là, vous allez voir ma conversation avec eux. Conversation non réussite. On va voir en combien de fois on va réussir à joindre le service clientèle Sima Mobile. Première tentative. Ça commence bien. Pas mal, coupé. On rappelle. Alors, on recommence, il est 11h13. Monsieur Sima, pour une assistance sur votre mail, oh, une question relative à Sima Business Service ou toute autre demande, merci de bien vouloir rester en ligne. Dans le but pas de mal. Notre démarche qualité, cette communication sera enregistrée. Si vous souhaitez que l'enregistrement soit supprimé, merci de bien vouloir le signaler dès le début de la conversation à votre conseiller Sima. En raison d'un grand nombre d'appels, tous les conseillers Sima sont actuellement en ligne. D'accord. Merci de patienter. Nous allons prendre votre appel dans quelques instants.
C'est un bon signe. Allô? Waouh! La vache! La vache! Ils ont coupé! Putain! Cima Business Service, ça existe? Oui. Ouais. D'accord. Allô? Purée! Non, mais ça, c'est cool, ça! Ouais, encore une fois, et c'est bon. Parce que j'en ai marre pour aujourd'hui. Mais ça, c'est cool, il couponnait! Qualité, quelle qualité? Je vois que dalle! Oui, oui, oui. D'accord. Vous allez couper dans quelques instants. Coupé. Pas mal. Ouais, encore une fois et c'est bon. Je souhaite entendre quelqu'un. Oui, oui, oui. Bordel, coupé. Voilà les gars, on va tester maintenant la vitesse de notre SIM mobile. Je vais sacrifier 40 mots sur mes 50 normalement que je dois avoir dans ma disposition. Vu les commentaires que je vais voir après, je commence à avoir la trouille un petit peu de SIM mobile. Mais moi personnellement, pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec SIM mobile à part aujourd'hui. Pour vous, c'est hier parce que ma vidéo sera faite seulement demain, le 5. 3, 19. Alors, on va tester la vitesse. Lancer. Alors, téléchargement. Ah, c'est pas rapide du tout. Oh là 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 là. Téléchargement, c'est dos du caca. Par contre, upload, nickel. Alors, importation. Pas de question, par contre, pour le téléchargement, c'est cuit. Votre débit internet est très très long. Oui, ça c'est vrai. Transfert 25 mégabytes, mais par contre, téléchargement 0,46. Ok les gars, à plus. Enfin, à plus, à tout à l'heure. Avoir la suite de ma vidéo et la conversation avec le service clientèle, bien sûr. Si j'arrive à les joindre.